Allez, c'est parti, je vous emmène. On va directement dans la marmite et on va pomper. Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la faille, de la marmite, toujours dans mon petit torrent ruisseau là. On va pomper avec les grosses pompes et les petites pompes et puis on va voir ce que ça donne. Allez, voilà, je viens de pomper un deuxième seau. Je pense que j'arrive sur la fin. Il me reste un petit côté à faire, ça fera pas un seau complet. Donc je vais vous faire voir. Voilà, comme d'habitude, de la ferraille. Il doit y avoir des hématites. Ah, ça j'aime bien ce genre de... J'adore ça. Les pierres un petit peu bizarres. Ça, j'adore. Ça va aller dans la collection. On va le mettre de côté. Allez, on va tout passer. Ça paraît ça.
creuse pas trop dans le pan parce qu'il y a énormément d'hématites. Et après ça reste compliqué. Il y a toujours le point de tout à l'heure et puis une belle Léa. Elle est jolie celle-là, elle est toute en longueur. Bon, peut-être encore dedans, hein, j'ai fait ça rapidement. Ok, ici. Allez, je vous présente là où est-ce que je vais pomper et tout ça. Donc, ça fait comme une bonne marmite. Il y a de l'hématite, il y a de la ferraille, il y a un peu de tout. J'ai pas regardé au masque, c'est pas la peine. On va simplement tout mettre dans le seau et passer ça au pan et voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est bien. Ça fait une belle retenue à cet endroit là, là ici. Il y a une belle retenue. Le courant part un peu par là. Bon, j'en ai déjà fait quelques-unes, hein. J'ai fait un pan déjà. On avait quelques-unes dedans, donc on va voir si le coin est prometteur ou pas. Un peu de ferraille. Là, si vous verrez, voilà. J'en ai sorti un autre morceau. Là, c'est peut-être bon signe, c'est pas méta. Elle est pas bien grosse, hein. Je pense que j'aurais vite fait le tour. Bon, c'est pareil, il faut essayer de prendre dans les endroits un peu stratégiques. Là je pense que j'arrive sur la fin. Allez, mon seau est plein. Il y a encore assez coincé, hein, là-dedans. On va passer le crochet. On va passer le crochet et on verra. Ah, je peux vous faire voir. Hop. Allez, on arrive sur la fin du saut. Je viens de terminer le pan. La fin du seau, bah évidemment, hein, là, quand on arrive sur la fin du seau, je pense qu'il y en a un peu plus dans le fond. Donc là, il y en a une bonne vingtaine dedans, avec quelques petits grains. Il y a un grain là, quelques paillettes, 2-3 points. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout ça. Enfin, tout ça. Donc, je dis que c'est déjà bien. Et beaucoup de grenats, hein, j'ai ramassé quelques grenats aussi. Allez, on continue. Allez, je vous reprends. Là, je viens de terminer un demi-saut. Il ne reste plus qu'un demi-saut. Et du joli, hein. Franchement, satisfait de cette belle marmite. Voilà, toujours du lourd là-dedans.
Et c'est joli, hein, des belles paillettes, quelques grains. Très content. Voilà, c'est terminé pour cette journée. Journée marmite, journée faille, sniping. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, un commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai toujours aux commentaires. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours sûrement en orpaillage, sûrement du placer. Enfin, on verra. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt avec de nouvelles paillettes. Ciao !